peux essayer de le faire temporairement, mais ça vient de tomber. Ce pauvre Tunisien qui sert plus à rien. Oh le pauvre, c'est moche. Tunisien qui a plus Tunis, quoi. Quand tu commences comme ça, tu vois, tu sais déjà que c'est la merde. Aragon, tu vas foncer sur... Ouais. Mais j'ai déclaré tout de suite une autre guerre. J'ai spécialisé justement la Transylvanie. Tiens, toi tu vas ici. Ah mais non, Tripolitaine, il va jamais accepter ce petit con. Bon, bah voilà, ça c'est bien. La souris déconne là par contre. Est-ce que tu veux prendre quoi là au Danemark? Là je vais prendre Sagelland dans la paix. Ah c'est si. Sealand, ouais, pardon. Ouais. Je pas confondre avec Sealand. Oui. Moi je dis. Le ça... je pense comme I en fait. AE c'est I aussi. Voilà. Ouais, le danois est. Ah bah en faisant ça, on aurait son trait en fait. Clairement. Plus de problème, enfin il me prendra plus de commerce. Il me prendra la dalle d'or, je le prendrai en double. Mais... Il aura moins. Ah ouais, mais bon je vais vider son commerce en prenant cette province en fait. Dans 3 ans, je repars en guerre. En RA. Putain, mais il y a le droit de dire. En fait, il dit jusqu'à la mort de ton mec, en fait. Hein. Ouais, ouais, je sais. Il gagne en face aussi. C'est ça le problème. Malou est en bronze. Le Cameroun est inventé à. Canon de bronze en Inde. Ouais, il a pris la tech. C'est quand même pour la tech. Ouais, pour la tech 7, ouais. Mais... ouais. Aucune utile de la prendre maintenant, quoi. 40%. Moins je pense que j'ai du retard. Oh, il l'a pris à 40% d'avance aussi. C'est ça, oui, 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 40% d'avance, c'est beaucoup. Ça repart à grand chose en plus. Hein. Bah, c'est surtout que ça coûte super cher, quoi. Et il y a un bonus à avoir. Une tech en avance, il y a un petit bonus de. Je crois que ça donne de l'innovation. Juste sur les canons. Il a. Ah, oh, ça te rapporte rien hein, de prendre les bonus en fait. Non, oui, ça donne rien, mais le fait le canon de bronze, lui, il peut. Ça te donne 50%, ça augmente de 50% le coût du cuivre. Enfin, du bronze, quoi. Pas. Lui, ça lui apporte rien. Pour la gloire, quoi. Ça, ouais. Je sais pas si ça donne pas de l'innovation aussi, non? Si, 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 ça en donne. Ouais, donc en soi, l'innovation peut être intéressante. C'est la Livonie qui se fait attaquer par des séparatistes livoniens. J'aime bien le principe. Ah mais c'est l'ordre où il vaut une part. En fait, mes navires marchands font un peu de commerce.
39, 21. Un 21 Ragus, voilà, ça fait du bien. Ils sont bons, les marchands. Hein. Qui n'avait rien d'autre à faire que de checker comment ça se prononçait, et il dit que après les systèmes de prononciation, ça se dit Sheland. Sheland, ouais. Sheland, ouais. D'accord, non, d'accord. Mais c'est intéressant. Bien, ouais. Je sais que ça se prononçait pas Sheland, on dit Sheland, on est en français, quoi. C'est la prononciation française, dans le sens où c'est en même beau pas, français que... qu'on dit, quoi. Même en beau français. Tu très prononcé I, je crois. Ouais. Point de chez l'on. On dit bien Ljubljana et pas Ljubljana. C'est ça. En fait, c'est un peu le souci de l'utilisation de nom de pays, de ville, etc. Utilise certaines prononciations de pays, J-I par exemple. Et tu vas. Par contre, il y a d'autres trucs que tu vas prononcer différemment. C'est comme Pékin, que nous, on Beijing. Prononce ça, mais c'est Beijing. Et en fait, c'est quand c'est prononcé par un cantonais ou par un mandat, tu entends Pékin. Juste, voilà, puis une mauvaise traduction, et puis enfin, une mauvaise compréhension et une mauvaise prononciation du chinois, en fait. Téhéran, je crois que c'est pareil, non ? Ça se prononce pas du tout Téhéran. Je sais pas. Le A qui se prend jamais comme ça, non ? Alors, alors, ça, c'est bien un truc, je sais pas. Ouais. Pour les pays pertes. Ça, quoi. Je sais pas comment ils le prononcent. C'est bien un truc où j'ai pas fait c'est attention. C'est Téhéran. Ouais, plus comme ça, oui. Ah, et plus, oui, plus avec un R. R. Parce qu'en arabe, on ne parle pas, on veut. Non. C'est comme le H anglais, par exemple. En fait, ouais, c'est l'arabe de cité qui se vomit, en fait. Oui. Le vrai arabe littéral, lui. C'est très joli avant. Hein. Oui. Quand c'est bien prononcé. C'est pas évident, hein. Les autres langues. Sur le chat, ils veulent que je parle. Okay. Non, mais, genre, je vais vous donner ma stratégie. T'sais, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais prendre l'Europe. C'est normal. C'est normal. Alors, à noter, on va réussir notre première conversion de territoire. Wow. On est en 1475. Je tiens à montrer le progrès, quoi. Moi, je tiens à montrer qu'avec 5000 hommes, on peut prendre toute la Suède, quoi. Enfin, franchement... Non. Si tu veux relâcher d'ailleurs Finlande, oui. Hein, je te jette pas. Bien sûr. Non, c'est le même problème, mec. Hein. Je pense qu'il y a une chose à faire, l'anglais, comme par exemple se gaver déjà. Ouais, là, vu qu'il a coulé tous mes navires, hein, crois-moi, enfin tous mes navires, ouais. Partie de ma flotte. Oui. Pas de cadeau, le con. Il a coulé un cinquantième de la flotte, et il a coulé toute ma flotte. Ouais, c'est vrai que. Toi, tu viens du très au sud de l'an. C'est bon. Ça, ah non, on est le rond des fois plutôt. Elle est conne souvent, mais.
suis désolé, bon, monsieur. Tu veux faire appel. Kimé, elle est pas. Elle a crié personne. Elle est là, envahissez. Ah, s'il vous plaît, je sers à quelque chose. Tapez-moi. Est-ce qu'il y a un arbre et puis des affiches humaines et... Normalement, il devrait y avoir. Je crois que c'est pour le prochain, prochaine mise à jour. Bah, s'il vous plaît, histoire qu'elle soit intéressante. Bah, intéressant. Enfin, le problème, c'est que t'as tellement qui peut faire en sorte que. Oula, des castings n'est plus synchronisé. Il faut que je rehausse la game. Donc. Ok, on save. Ouais, on save et on rehausse. Putain, j'en ai de signer TTP. On quitte la partie quand on... Oui. Tous, ouais. Même moi. Ah, j'ai le meilleur revenu commercial. Par contre, faut complètement le jeu. Et je vais. Juste celui qui... Ah, juste moi. Mais pour le coup, pas forcément obligé de quitter. De toute façon, quand je quitte, de toute façon, bah... Oui, c'est pour ça, en fait. Quand j'excite, le jeu se relance lui-même, en fait. Ah, mais des fois, tu retrouves pas les personnes, d'ailleurs. C'est un peu... Attaquer, on trouve déjà pas de base. Donc... Oui. On a cette chance. Je vais rentrer par IP, moi. Bon, juste la game et le temps que vous rejoignez tout par IP. Et après, je vais me chercher un petit truc qui est grignoté. Comme ça. Non, je l'ai, moi, le. En tout cas, la game est cool. Ah oui, ah oui, ça se passe bien. Bah, ça va, on a eu une grosse guerre entre nous, mais bon, attends. Et petit conflit où. Ouais, ton mano m'a mlouqué. Ouais, surtout. Bon, de toute façon, plus le temps va avancer, moins il va y avoir de bleu entre. Tu as mis l'IP sur le. C'est le même IP que tout à l'heure, ouais. Tu surcotes mon. En train de relancer le jeu. Enfin, le jeu est en train de se relancer tout seul. Ah, tu viens de relancer, toi? Ah non, mais je veux dire, tu vois, tu retournes au menu, il refait un temps de chargement extrêmement long, etc. Et là, je viens. Et pas de suite encore. Ah, tu peux rejoindre... C'est le même IP que tout à l'heure, non, ou pas? Ouais, c'est bon. Non, je te le crois. Voilà, c'est bon. Et voilà, je rejoins. Ah bah oui, d'accord, il était légèrement différent. Mais non, mais... Encore... J'avais pas encore host. On va relancer le jeu, parce que ça a craché. Personne est encore au nouveau monde. Pas encore. J'ai pas encore le colon. C'est assez étonnant. C'est surprenant de ma part, hein. Enfin, moi je veux bien coloniser, mais bon, je traverse l'Europe alors. Pareil. Moi j'ai start Colonial du coup, vu que j'ai pas beaucoup de points. Hein. Enfin, j'ai beaucoup de points admin pour 2-3 provinces. Et que j'allais encore, surtout. Au Canada ou t'es aux Antilles? Moi? Non, j'y suis quoi. Du coup, j'ai start Colonial, j'ai pas mis dedans. Bah ouais, vu que j'avais dev en fait, avec les points que j'avais de développer mes provinces, j'ai adopté les cultures, etc. Bon, moi je suis en avance quoi, j'ai plus besoin de culture, etc. Ah, par contre, c'est cool, je vais enfin la Moscou. Après, oui, je vais mettre. Là, je vais pouvoir faire la guerre contre l'Écosse pour la mettre en vassal. Ah, oui, c'est la question aussi. Ouais, et là, je termine ma guerre contre le Danemark. Je récupère Sageland et. Argent et peut-être deux trois une province ou deux sur le Norvège, ça serait cool. Pourquoi pas aller prendre Reykjavik? C'est où? C'est en Islande. Ah oui, pardon. Oui, genre tu vois, ça rapproche un tout petit peu du Groenland et puis tu peux coloniser le Canada à partir de là. Je suis d'accord, mais le problème c'est que si je peux le... Non, c'est même pas ça, c'est surtout c'est pour voir si le mec voudra bien, parce que là, avec tout ce que j'occupe chez lui, il est à 83% de score de guerre. Ouais, Sealand, ça demande pas tant. Tu prends ton prévis, Shaikai? Ah, sous moi.
C'est une 1-1-1 ou 2-1-1, un truc comme ça. C'est une 1-1-1. Ouais, je vais essayer de la prendre. T'as 2%, un truc comme ça. J'avais regardé pour la prendre. Ah non, mais c'est deux, c'est. Ouais, c'est Reykjavik et Alkiri, c'est du 1-1-1. Ouais, bien sûr. Oui, donc ça, c'est 2% de score de guerre, même. En même temps, t'as des champs de cailloux et des champs de glace là-bas, tu sais pas. T'as pas grand chose. Même des champs, je sais pas le mot. La province la plus développée, elle est à Constantinople. Hein. Ouais, mais je veux pas dire, mais le meilleur nœud commercial, c'est le mien quand même. Ah ouais, je peux pas faire de corde dessus, c'est pour ça que j'ai pas que je prenne ça. Comme ça, pas en fait. Je peux pas faire de corde dessus, c'est pour ça qu'il voulait. Les enfoirés. Ça m'a ouais, ouais. Le déplacement du diplomate, mais pas le traité. C'est blague. Et du coup, je peux pas renvoyer. Putain, il a sauvegardé ce qu'il est. Mais grave. Oh, le troubadour. Le bon troubadour. Bon, ça me paraît bien comme PS1. What? Qu'est-ce qu'il y a? Le petit con. Putain, Tripolitaine qui m'attaque avec Aragon et Autri et Naples. Oh, le désir d'indépendance. Mais c'est sûr, t'avais une tech diplo. C'est sûr. Même là, moi, je me ramasserai pas de déclarer la guerre. J'aimerais au moins que la guerre soit finie. Quoi. Mais il y a quand même l'Autriche qui est à ton côté, hein. Donc ça peut... Ouais, mais l'Autriche, tu crois que l'Autriche va venir jusqu'à Tripolitaine pour lui péter les dents? Non, mais elle va. Qu'à Naples. En fait, elle va jusqu'à Naples. Si Naples abandonne, la Naples va rejoindre la guerre, mais de ton côté. Et ainsi de suite. Déjà, faut que l'Autriche va craquer. Ce souci, je pense. C'est vraiment pas un souci. Honnêtement, voilà. Tu te occupes du troquement de l'Aragon. Attends, mais t'as pas ce que je vais faire. Si, bah, je l'ai si, plus. Justement, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a la. Faut juste obtenir une paix blanche et c'est bon, c'est gagné. Putain, il a perdu le mariage. Temporairement. C'est quoi leur objectif? Diplo et limite mais un gars niveau 2 en diplo tant que t'as pas fini au moins d'annexer Naples. J'ai pas les moyens de. Quoi que. Comment... Non mais au pire t'en mets qu'un, mais il faut vraiment que t'aies au moins la même tech. Sinon ça va être la misère à chaque fois. Bah c'est avoir... surtout faut pas faire grossir les vassaux quoi. Faut annexer. Mais les autres c'est grossir. Si, ah, j'ai fait grossir Tripolitaine, quoi, mais à part ça... Et juste faire grossir Tripolitaine, ça fait que Naples et Aragon se sentent plus forts aussi. Ouais. Mais ils me détestaient pas, c'est ça que j'ai pas compris, tu vois. Ils étaient pas en désir d'indépendance, ils étaient calmes. C'est ça que j'ai pas compris, quoi. Il y a juste Tripolitaine qui me détestait parce que j'avais imposé la religion, mais... Oui, mais juste ça lui permet d'aller avec des pays qui peuvent... avec tes autres vassaux, et le fait de faire ces alliances-là font qu'ils sont trouvés plus forts que toi, puisque t'es dans une guerre et des dettes, t'as moins de plots, et t'as ton armée qui tient pas forcément. Donc voilà, le tout... Pourquoi t'as imposé la religion? Tu pouvais facilement le convertir dans... Être oui, mais c'est parce que je voulais essayer d'avoir un mariage avec. Sport province. Surtout que quand tu imposes la religion à un pays qui est même pas dans le même groupe religieux, c'est plus sans des libertés. Ouais. Ouais, faut vraiment que tu fasses un gros. Prends en plus ton. Je pourrais pas être ennuyé. Enfin,
trop forte là. Mamelouk, tu l'as? Non, enfin, elle est pas, mais je l'ai encore adopté. Ah, yeah. Je crois que je l'ai fini dans la capitale. Ouais, quasiment. Dans. Voilà. Faut trop demander, appelle quoi, petit. Automane, mais c'est tout. Je sais même pas comment ça me coûte. Peut-être avoir l'apparition de la Livonie. Oh, ça coûterait tellement. C'est l'Estonie. Non, pas de soucis. Ok. Bon, j'arrive sur la techno et ça me saoule, ça. C'est pas... Ouais, j'en ai d'accord. Un peu une honte. En plus, t'as des doctrines qui donnent des trucs avec la Castille, non? J'ai une idée. Ouais. T'as pas puissance des missionnaires, un truc du genre? Ouais, moi j'avais pas, c'est sur ces doctrines-là. Ouais, il commence avec un missionnaire en plus. Ouais, donc, voilà, plus la convertir en lettres. Et plus souvent, quand tu les forces de se convertir, ils convertissent même pas leur province. Enfin, ça non, mais tu peux, ouais, si tu fais au moins la capitale et ce genre de choses, pour faire passer à 50%, parce que normalement, en tout 75%, tu as la possibilité d'avoir la guerre pour le fait que il n'y a pas assez d'unité religieuse, mais après, déjà 50%. Voilà, je sais pas si t'en as encore. Ouais, tu peux saisir. Merde, comment ça s'appelle? Apaiser les dirigeants locaux. Ou même il peut juste des, des guerres d'indépendance. Je crois qu'il peut même juste développer. Ouais. On verra. De toute façon, là, quand je l'aurai bouffé, on verra ce qui viendra. Mais il devrait être calme pendant un moment. Oui, ils vont avoir un. Non, tu les as défoncés. C'est pas trop grave encore. Ils ont fait quoi leur province? Moins 71 pour... Putain, mais l'Autriche sont mauvais. Ah, Eretnel avait pas légitime, hein, il est pas très longtemps. Hein. Ouais, là, ça part en full bassal de partout. Hein. Qui ça? Vous tous? Bande de warmonger. Je vois pas de quoi tu parles. Tous à vous battre, à agrandir vos territoires alors que... Bah oui. Mais c'est, l'histoire de l'humanité est une longue lutte permanente. Alors que ça pourrait être la paix mondiale, quoi. C'est le mec qui a déclaré... C'est le premier mec à avoir déclaré la guerre dans la game qui dit ça, quoi. Si je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai, ça. J'ai uni deux pays sous une même couronne. Et moi, je suis encore plus généreux que toi, je le laisse indépendant, c'est juste que immobile. Un drôle de concept de l'indépendance, mais... Ah ouais, je peux... Retenir, mais entièrement...
Ouais, c'est plutôt qu'elle s'est fait briser toutes ses alliances. Non, mais la seule alliance qu'il avait, c'était l'alliance... Il en trouvait une. Attends, la seule alliance qu'il avait, c'était Brutti, c'était... Il n'y avait qu'une seule alliance, c'était la garantie de Mamelouk. Il n'a rien trouvé d'autre à part Kandar et le Mamelouk depuis le début de la game. Enfin, à ce niveau-là, il mérite de se faire bouffer. Bah, Karakoyunlu n'allait pas faire une alliance parce que, tout simplement, c'est un shit et avec un sunnite, ça passe pas. Akoyunlu, bah, c'est son rival parce qu'il est à côté. Il n'y a pas d'autre pays sunnite, alors... Non, la Crimée, jamais de la vie. Si. Parce que... Non, mais parce qu'elle était alliée, elle passait un temps aux Ottomans, donc... Et bon, elle s'est fait un peu taper dessus aussi. Un peu... La Crimée... Ouais, la Crimée, quoi. Ouais. Excusez-moi, tu peux, la Crimée. Je suis toujours pas allié avec elle, la Crimée, c'est drôle. Je vais pas me rallier avec elle, je n'ai rien à faire. T'as pas une mission, là, qui te file un casus belli sur tout ça? Non. Non. T'as juste l'événement qui fait que tu dois soutenir... La Crimée, non, la Crimée, non. J'ai juste, par contre, des missions plus tard, si je gagne une mission... J'ai conquéré Trébizonde. Oh, voilà. Hein. Et après, j'ai conquéré Kaffa. J'ai juste des missions sur Trébizonde et Kaffa. Et ça te file pas des Casus Belli derrière? Ah, si, c'est bon. La mission conquérir Trébizonde, ça me donne le Casus Belli sur Kaffa. Ah, voilà, sur toute la côte, quoi. Ouais. Et Kaffa, bah, ça me donne juste ambition en mer noire, puissance commerciale 35 en mer noire. C'est tout. Ah, non, d'accord. Ok, ok. J'ai dit une bêtise. Ça fait bizarre de jouer en vitesse 2 quand même quand on a l'habitude de jouer en vitesse 4. Mmh. Ouais, surtout quand tu te déplaces loin. Ouais, pour le coup, normalement, j'avoue qu'on a dû Reos 2-3 fois. Enfin, on a eu les autres join. Hein. Non, qui ont un peu ralenti aussi. C'est pas un souci, ça. C'est juste, c'est surprenant, quoi. Après, ça te permet de bien te jouer. Ah, de bien te focus sur ta guerre, ça, y'a pas de problème. Après, paradoxalement, parfois ça va tellement lentement que tu fais pas attention. Tu, vois, genre... tu bon, prends tes aises, là... quoi. Tu Ce que j'aime bien, c'est les séparatistes livoniens qui se battent avec les Danois et l'ordre de Livonie pour savoir qui prendra le contrôle des territoires. T'as quel merdier pour savoir quelle province est où? Je connais vraiment aucune des provinces. Enfin, si, la principale, mais. Tu cherches quelle province? Jason et sa toison. Comment t'écris ça? Ben ouais, je suis en train de me dire que dans le Finder je trouve pas non plus. Ben, je crois que J-A-Z-A-N. J-A. Riazan? Non, Riazan c'est R-Y-A-Z-A. Ah, Riazan? C'est à côté, quoi. Non, 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 la province de Jazan. Jazan. Il y a J-A-Z-N. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé, c'est dans... D'accord, de la péninsule. Ouais. Ok. T'as une rébellion? J'ai full troll. J'ai pas check une coalition de paix et... je vais me prendre quoi? Ah! Est-ce que je peux rentrer dans la coalition? De toute façon, je vais me rendre un centre quand ils vont me déclarer la guerre et je vais faire une paix où je relâche les Irlandais, c'est pas grave. Alors, intégrer la coalition, où est-ce que c'était ça? Ah, et la France qui pourrait rejoindre? Ah, je suis pas assez. C'est dommage.
Ah, je suis qu'à 13, oui, je suis un peu trop loin. Oula, oula, la Poméranie, oui, t'as tout l'Empire, d'accord. Oui, oui, oui. C'est Castille qui pourrait rejoindre. Ouais, mais, hein. Je ne pars pas en guerre. Bah non, tu peux rejoindre non, juste si pour, vrai, pour avoir le prestige. Ouais, mais s'il déclare la guerre, je me retrouve dans une guerre. Personne à venir, tu vois. C'est surtout non. À déclarer. Je me dis que si j'ai pitié de lui maintenant, il sera plus... Ah, plus bon, ouais, diplomate plus tard. Diplôme quoi? J'ai pris une doctrine humaniste. Je m'en rappellerai. Humain quoi? Non mais franchement, vous utilisez des termes, messieurs, je suis choqué. Je sais, je sais. On est tous en pleine guerre et ça parle d'humanisme. Ouais, franchement, Mustapha est mort, merde. Mais qu'est-ce que t'as foutu, Mustapha? Je suis mort. Tu vois, sans doute, un truc comme ça. Il a quel âge, le mien? 49 ans. Trapezuntin. Il n'y a pas de moyen. Prétendant. Qu'est-ce que c'est que Trapezuntin? Ils ont peut-être. Il n'y a pas de raison. Ah, si, oui. C'est un très joli nom, déjà. Non, non, c'est... oui, si, Trébizonde, qui a des séparatistes sur Gênes. Voilà. C'est pas courant, mais oui. Oui. Bah, c'est normal, c'est la même culture, c'est un corps. Cafa, c'est plutôt pontique, c'est le. Pareil que oui, je sais, mais j'oublie à chaque fois en fait. Ça, c'est pas courant. Ah, nous avons reperdu Zu. Non. Si. Il était en guerre ou oui, il est en guerre. Oh, oui, c'est vrai. Pour l'instant, il gagne sa guerre. C'est un quand même, bizarre. Hein. Je crois que je vais. Ah d'accord, et l'Autriche arrive même pas à repousser ça. Ah, il a quand même pris Valence, hein. Ouais. Donc il peut déjà peut-être faire lâcher Aragon s'il arrive à reprendre au moins le fort de... en position, ils n'arriveront pas. Ouais, quand... mais il y a les terres. Il y a pas le domaine. Hein, je veux dire, il a. Quand la. Elle a Castille, elle a Castille. Une fois qu'il sera, il sera de retour. Mon chat, c'est des génies. Ils ont 300 d'IQ, genre. En gros, ils m'ont dit, en gros, dès que la Castille me déclare la guerre, tu vois. Et que vu que je me suis allié avec le Maroc pour éviter que le coup pop, eh ben, je peux offrir des territoires marocains. Bah oui. Enfin, je peux détruire le Maroc, tu vois. C'est une coalition, tu fais. C'est aussi gros, quoi. Ah, je veux dire, moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que donc, quand il y a une coalition et qu'il y a un allié IA, je fous le territoire de l'allié IA, hein, pas les miens. Ouais, mais que si la Castille rejoint la guerre, en fait. Enfin, si c'est la Castille qui déclenche la guerre, c'est lui le meneur de guerre, en fait. Vu l'état de la Castille, je pense pas qu'il va rejoindre la guerre. Ah, mais il le fait volontairement, tu vois. Il a fait déclarer, et après on fait une paix instante dans laquelle, en échange, je lui cède un territoire marocain. Quand vous dites là, il les occupait. Est-ce que t'es allié au Maroc? Ou je suis allié au Maroc pour éviter que la mission explose. Ça va bien. Parce que, tant que quand la France va rentrer dedans... Je pense pas que la France puisse rentrer. Si, elle est à 50. Ah merde. Si, un peu. Putain, et là, par contre, la France va prendre tes territoires. Ah, elle peut pas. Si, elle peut faire retour de corps. Je sais pas. Si. Dommage. Écoute, peut-être pas qu'elle peut faire retour de corps. Usu arrive. Ah oui. Oui. Si, tu le fais? Oui, deux secondes. Il faut que je rejoigne la coalition, c'est ça? Ouais. Tu prends la coalition et tu me déclares la guerre, puis on change, moi je détruis le Maroc. Ok, j'ai intégré. Maintenant, vu que j'ai du décalage, vu que je lag, ça risque de prendre du temps. La pause. Tu es encore en retard. Oui. Mais c'est quoi en fait quand tu crashes? C'est ta connexion ou c'est ton jeu qui sort? C'est ma connexion. Ouh. Hop, attends, deux secondes. Déjà, je vais essayer de sortir.
Non, ils veulent pas. Est-ce que Naples veut sortir? Parce que Naples a des rebelles. Non. Prennent Wesca pour je pense pour pouvoir affaiblir Je te déclare la guerre tout de suite. Là, c'est tard. Ah mais je vais lui filer de l'argent aussi. Histoire que je la paye un peu là quoi. Histoire de secouer un peu les sites. J'y vais, je te déclare la guerre. Ouais, vas-y, ouais. Yes. Meilleur. Moi, je regarde. Ça va faire un retour. Enfin, techniquement, si ça fonctionnait parce que c'est des êtres humains. Même si l'IA refuserait, l'humain peut accepter. Bon. Tiens. Je suis avec vraiment. Attends, deux secondes. Parce que vu que je lag, il faut attendre genre 5 minutes que ça arrive. Tiens, s'il te plaît. C'est le truc que je peux te donner, vu que c'est une coalition du record retour. Et après, je t'enverrai... tu veux combien, du coup? Oh, je m'en fous. Pour le moment, j'aurais besoin de... Allez, 200, ce serait parfait, hein, si je peux rembourser ma deuxième dette. Merci, mais... 5-5-3. Mais pas de soucis, quoi. 200, je te les donne, et volontiers, quoi. Pfiou.